Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous combiner les quelques petites courses que j'ai achetées chez Leclerc parce qu'il n'y a pas grand chose. Je voulais surtout vous montrer certaines promotions qu'il y avait cette semaine. Et également, je vais vous joindre après un petit haul Kiabi, du coup. Donc voilà, donc du coup j'ai coupé tout à l'heure pour pouvoir vous remettre directement sur les courses, pour éviter de bouger la caméra. Donc du coup, je vais vous montrer quelques petites courses que j'ai refaites parce qu'il me manquait des choses et j'ai trouvé des promos intéressantes chez Leclerc. Donc là c'est des pommes choupettes, donc c'est des pommes rouges. Comme ceci. Elles sont un peu sucrées, elles sont super bonnes. Moi j'en mange énormément, mais je les prends surtout en promo pour pas les payer non plus trop cher. Elles coûtaient 2,32€ et il y en a 1,5 kg dedans, donc ça vaut le coup. Ensuite j'ai pris du lait, donc de la marque Candia. Ils sont en promotion cette semaine par bouteille de 500 ml. Et du coup ça valait 1,85€ le pack au lieu de 2,85€, donc ça vaut quand même le coup, on a 1€ de réduction. Donc là il y a 4 bouteilles de 50 centilitres. Et du coup donc là j'ai pris du bio parce qu'en fait au niveau des dates, donc le bio là va jusqu'au mois de septembre et le facile à digérer comme je prends habituellement allait que jusque mois de août. Donc je me suis dit que ça allait être compliqué pour boire parce que j'en bois pas énormément, j'en mets surtout dans mes smoothies. Donc du coup je l'ai remis et j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris des petites crevettes pour Noah, donc une de mes petits chats parce qu'elle adore ça. J'ai repris une bouteille de Bresse Cola parce que du coup avec la les gens qu'on a eu l'autre fois, il n'y en a plus. Ensuite j'ai acheté donc 1 kg d'abricots. Parce que ça valait le coup, ils sont à 1,89€ le kilo, donc du coup pour mettre dans mes smoothies ou des choses comme ça, c'était pas mal. J'ai repris du beurre Saint-Hubert parce que j'en trouve plus du tout à Super U. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des brumes. Donc du coup, d'eau pure. Parce que j'en ai pas trouvé la dernière fois avec les problèmes de canicule et tout ça, il n'y en avait plus nulle part. Donc voilà, donc j'en ai pris un en grand format et un en format de poche. Du coup j'ai pris de la marque Repère, parce que c'est suffisant. Ensuite, je vais montrer ça en dernier. J'ai pris ceci pour les chats, donc c'est une nouveauté de chez Whiskas. C'est des soupes onctueuses sélection au poisson. Donc de chez Whiskas, donc pour un an et plus. Et vous avez un petit sachet de bonbons à l'intérieur, donc les petits sachets de Whiskas. Donc moi je leur ai pris ce que je leur avais déjà pris, mais c'était pas de cette marque là. Je saurais plus vous dire, je sais que c'est une boîte bleue, je crois que c'était du Bourmet il me semble. Et du coup en version petite soupe comme ça, elles avaient vraiment bien aimé, donc du coup je me suis dit que j'allais tester. Et là pareil c'était moins 50% dessus. Ça valait le coup, vous avez 12 sachets à l'intérieur. C'était 4,40€ à la base et vous le payez que 2,20€. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris des barres de céréales. Comme je fais des malaises, histoire d'avoir quelque chose sur moi. Donc j'ai pris barres au blé complet, riz et avoine au chocolat noir. Parce que je me suis dit que ça avait l'air d'être pas trop mal. Niveau kilocalories, j'ai regardé tout à l'heure, c'était pas 92 kilocalories par barre. Bon après faut pas en manger trop souvent, mais une fois de temps en temps ça peut être pas mal. Et j'allais surtout à Leclerc pour ça et je voulais vous le montrer. C'est les nouveaux rouges à lèvres Ultra HD Mat de chez Revlon. Ils sont juste tip top, donc c'est celui que je porte sur moi juste là. Franchement il est tip top, donc moi sur moi je porte celui-ci. Hop. Alors la teinte, c'était la 630. Donc il se présente comme ceci. En fait, il se présente un peu comme un gloss. Mais franchement, il est juste tip-top. Au niveau de la tenue, il est vraiment super. Et donc pour le prix, c'est pareil. Donc le tarif que je vous le retrouve, il est là. Donc il valait 7,95€ à la base. Et on a eu 3,98€ dessus. Donc ça le mettait à
3,98 je crois, parce que normalement c'était 50%, donc ça valait vraiment le coup. Et j'en ai repris un deuxième, donc j'ai pris la teinte Kiss 355. Franchement, ils sont super top, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer les rouges à lèvres et les petites promos qu'il y avait cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez un Leclerc, allez y faire un tour. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le haul qui habille. Coucou tout le monde, on se retrouve donc du coup pour la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Donc en première partie, vous avez eu un petit haul Leclerc, parce que je voulais surtout vous montrer les rouges à lèvres de chez Revlon, les nouveaux rouges à lèvres de chez Revlon. Et également vous montrer en fait quelques petites promos qu'il y avait cette semaine chez Leclerc. Et là, je vais vous faire un mini haul qui habille, j'ai 4 articles, parce que j'ai pas encore été faire les soldes, on est juste tombé là-dessus. Et c'est tout, donc voilà. Donc j'ai acheté deux paires de petites ballerines comme ça, donc j'ai pris les deux mêmes. C'est des petites ballerines toutes simples. Donc à la base, elles étaient à 6€. Et je les ai eues à moins 50%, donc ça faisait 3€ la petite paire de ballerines. Donc du coup, j'en ai profité comme elles m'allaient et que j'avais deux paires qui étaient dans mes tailles. Du coup, j'en ai pris deux. Donc voilà, elles sont super jolies. Donc elles font entre le kaki et le gris en fait. Donc je sais pas trop comment elles vont vous donner à la caméra, mais elles font entre le kaki et le gris, je trouve ça trop mignon. Et comme j'ai un repas de famille du coup le 9 juillet, ça va pouvoir me permettre de pouvoir mettre un petit peu ce que je veux. Parce que je trouve que les ballerines, je peux mettre un peu soit une robe, soit un short, soit, enfin je ne sais pas ce que je pourrais mettre suivant le temps qu'il fera. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Ensuite j'ai acheté un petit short. Donc voilà, pareil, donc ça c'est un petit short pour dormir, donc tout simple. Donc il était à moins 70% celui-ci. Hop. Donc alors, il est très bariolé, mais bon, je me suis dit que pour dormir c'était pas trop gênant. Il se resserre ici. Il y a moyen de le resserrer, si on le veut. Et du coup, il m'est revenu à... Ah oui, alors là, il m'est revenu à 2,80. Il fallait recalculer après. Non. Non, non. 1,80. C'est moi qui sais plus compter. 1,80€. Et en dernier article, j'ai acheté cette petite veste. Donc j'en avais acheté une un peu dans le même esprit et dans le même genre, en gris chiné un peu, il y a 3-4 semaines. Et au final, là, je me suis dit que ça m'aurait fait un change pour cet été. Donc j'ai trouvé trop mignonne. Donc c'est un petit gris chiné comme ça, elle est super belle. Donc j'ai pris du XL pour être à l'aise parce que j'aime pas être trop serrée dans mes vestes. Et du coup elle m'a coûté donc 12€, moins 50%, je sais pas où est là, l'étiquette, voilà elle est là. Moins 50%, donc elle est un peu loose, elle est un peu, franchement je la trouve vraiment jolie. Donc voilà, donc ça m'est revenu à 6€ la veste. Et du coup, avec un sac, puisque les sacs sont payants et sont à 7 centimes, j'en ai eu pour 13,87€. Donc franchement, très raisonnable pour avoir deux paires de chaussures, une veste et un petit short pour dormir. Donc je trouvais ça vraiment tip-top. Donc je pense que j'y retournerai, puisqu'à Kiabi, il y avait quand même beaucoup de choses, mais on n'avait pas forcément le temps d'y rester. Donc voilà. Mais j'hésiterai pas à vous refaire des hauls si je retrouve des nouvelles choses et vous dire un petit peu les bons plans si j'en trouve. Pour vous donner des petites indications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que...